rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Huraira rapporte ses propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûne Ramadan. Dès que vous le voyez, le début du mois est marqué par l'apparition de la nouvelle lune. Et rompez dès que vous voyez la nouvelle lune qui en marque le terme. Et si la vision se révèle impossible, considérez que le mois du Shaban a 30 jours, le mois du Shaban précède le mois de Ramadan. Il est entendu que le mois lunaire a 29 ou 30 jours. Abu Saïd al-Khudri rapporte ses propos de l'envoyé d'Allah. Tout serviteur qui jeûne un jour pour la cause d'Allah aura le visage préservé du feu par Allah pendant 70 ans. Le messager d'Allah, paix et bénédiction divine sur lui, a dit, Allah exalté soit-il a dit, la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné, toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme, toutes les portes de l'enfer sont refermées, aucune ne s'ouvre. On appelle ô toi qui veux du bien, accours ô toi qui veux faire du mal, cesse cet appel renouvelé. Chaque soir Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Le messager d'Allah, paix et bénédiction divine sur lui, a dit, Allah exalté soit-il, a dit, le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Le messager d'Allah, paix et bénédiction divine sur lui, a dit, Allah exalté soit-il, a dit, l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne le soir. Le messager de Dieu, paix, paix et bénédiction divine sur lui a dit, Allah exalté soit-il a dit, quand celui qui jeûne voit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son jeûne, c'est Dieu qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakr al-Allah demanda, au réveil d'Allah, toi qui m'es plus cher que père et mère, il n'y a aucun profit particulier à entrer par l'une de ces portes, c'est-à-dire que le but est atteint avec l'accès au paradis. Et ce quelle que soit la porte, mais a-t-il quelqu'un qui sera interpellé de toutes ces portes? Oui, et j'espère que tu en feras partie. Bismillahirrahmanirrahim. Abdallah ibn Omar, qu'Allah se satisfait de lui, rapporte. L'envoyé d'Allah a dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô mon Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir toute la nuit. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et ils intercéderont. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa